Oscar est un petit garçon presque comme les autres. Mais à l'école, il s'ennuie. Les autres enfants disent qu'il est trop timide et sa maîtresse le trouve trop tête en l'air. Alors, quand il rentre chez lui le soir, il se plonge dans la lecture de ses livres. Il lit tout, les romans, les bandes dessinées, les notices des médicaments. On l'aurait même vu une fois lire les ingrédients d'un paquet de céréales. Mais un jour, Oscar se rend compte qu'il n'a, dans sa maison, plus aucun livre qu'il n'ait déjà lu. Si je prends cette grosse boîte et que j'y mets des engrenages, des mécanismes, faut que ça s'emboîte si je veux rejoindre mes personnages. J'y mets de l'eau pour faire la pluie, pour le soleil, des allumettes, de l'encre de Chine pour la nuit, je souffle dessus pour la tempête. Avec cette construction compliquée, j'obtiens maintenant que c'est terminé. Une machine à voyager dans les livres. Mes idées, ce soir je les délivre. Là-bas, personne ne pourra me poursuivre. Dans ma machine à voyager dans les livres.